Bonjour. Comme vous le savez, l'une des missions du député est de faire la loi. Faire la loi, cela veut dire l'écrire. Et en discuter avec ses petits camarades. À l'Assemblée nationale et au Sénat, on rédige principalement deux types de textes. Les projets de loi qui viennent du gouvernement et les propositions de loi. Les propositions de loi sont des textes qui ont pour auteur des députés ou des sénateurs. Mais avant d'être examinés en séance publique, l'hémicycle, les projets et propositions de loi doivent d'abord être examinés en commission permanente. Les commissions permanentes sont des groupes de travail à l'Assemblée nationale. On les appelle permanentes parce qu'elles survivent d'une législature à l'autre, contrairement aux commissions spéciales ou aux commissions d'enquête. Chaque député doit obligatoirement être membre d'une commission permanente. Il ne peut pas appartenir à plusieurs commissions permanentes. Mais il peut changer de commission permanente en cours de mandat. Nous avons 8 commissions permanentes à l'Assemblée nationale. La commission des affaires culturelles, la commission des affaires économiques, la commission des affaires étrangères, la commission des affaires sociales, la commission de la défense, la commission du développement durable, la commission des finances, et enfin, ma préférée, la commission des lois. Avant d'être débattu en séance publique, chaque projet ou proposition de loi passe par une ou plusieurs commissions permanentes. Les députés examinent le texte, les amendements et votent. Ensuite, le texte est examiné en séance publique. La séance est ouverte. On répartit les textes en fonction de son sujet. Quant à la composition des commissions permanentes, la règle est celle de la parité politique. En clair, chaque groupe envoie dans une commission un certain nombre de députés à part égale. En début de législature, les députés formulent des vœux auprès de leur président de groupe, un peu comme Parcoursup. Et comme dans Parcoursup, ils n'ont pas toujours leur premier choix. Ah ben voilà, maintenant ils boudent. L'objectif est d'assurer une pluralité politique dans les commissions permanentes. Quant aux députés non inscrits, c'est-à-dire ceux qui ne sont membres d'aucun groupe parlementaire, ils sont servis à la fin, en fonction des places restantes. Vous l'avez compris, les commissions permanentes sont la première étape de travail de construction législative. Allons explorer les compétences des commissions permanentes. Je vais vous présenter les commissions par ordre alphabétique, et en premier vient la commission des affaires culturelles. Son intitulé complet est commission des affaires culturelles et de l'éducation. En France, on a un fort intérêt pour tout ce qui touche à la culture. On considère que la culture, au sens large, n'est pas un bien comme les autres. C'est ce qu'on appelle l'exception culturelle. Qu'est-ce qui rentre dans le champ culturel? Tout d'abord, la littérature et tout ce qui touche à la lecture. Cela inclut les bibliothèques, les médiathèques, les musées et les librairies, mais également les auteurs. Ensuite, bien entendu, la musique, les concerts, les musiciens. On doit aussi inclure l'audiovisuel, le cinéma, les séries, la télévision, les acteurs, les intermittents du spectacle. Par extension, la commission des affaires culturelles est également compétente pour tout ce qui touche à la régulation des médias, la communication et les journalistes. Sans oublier le spectacle vivant comme le théâtre, et bien évidemment, le patrimoine et les vieilles pierres. Nouveau venu dans la culture, le jeu vidéo. La commission des affaires culturelles est également compétente pour les sujets qui touchent à la propriété intellectuelle. La commission des affaires culturelles s'occupe aussi de l'éducation. On y parle des sujets relatifs à l'école. Par exemple, sous la 15e législature, on a beaucoup parlé du harcèlement scolaire, aussi bien dans le monde réel qu'en ligne. L'enseignement supérieur est aussi du ressort de cette commission, de même que la recherche scientifique. Mais aussi du sport et pas uniquement dans le cadre scolaire. Particularité de cette commission, les sujets relatifs au numérique commencent souvent leur parcours législatif dans cette commission. En effet, le numérique a facilité l'accès à la culture au sens large et les ayants droit ont souhaité arrêter le piratage. Ainsi, la loi Adopi était de la compétence de la commission des affaires culturelles. Sous chaque législature depuis le début des années 2000, la commission des affaires culturelles a accouché d'un texte spécialement dédié à lutter contre le piratage. Avec des résultats qui ne sont pas toujours flagrants. Enfin, chaque année, comme toutes les commissions permanentes, la commission des affaires culturelles et de l'éducation se penche sur le projet de loi de finances. Le fait qu'on ait une commission dédiée aux affaires culturelles est la meilleure illustration de l'exception culturelle française. Découvrons la commission des affaires économiques. Dans cette commission, on traite des textes qui portent sur l'économie privée. Dès qu'un texte porte sur les entreprises, la réglementation, le commerce, etc., c'est par cette commission qu'il passe. À une époque, elle s'intitulait « Commission de la production et des échanges ». Ce qui veut dire qu'elle travaillait un jour sur l'énergie, le lendemain sur les postes et le surlendemain sur la sécurité alimentaire. En somme, dès qu'un texte portait sur un échange marchand, ça venait dans cette commission. Puis, on l'a baptisée « Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire ». Enfin, en 2009, on s'est dit qu'on allait arrêter de tout mélanger et on a coupé la commission en deux. La commission des affaires économiques d'un côté, la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'autre. Sur quoi travaille la commission des affaires économiques?
Par exemple, tout ce qui touche à l'agriculture, à la pêche, l'industrie, le commerce, mais aussi le tourisme et l'urbanisme. La Commission des affaires économiques s'intéresse aux textes portant sur la recherche et l'innovation, ainsi qu'aux sujets relatifs au transport, notamment le transport aérien. Cette commission auditionne régulièrement les ministres, mais aussi les acteurs de la vie économique. Elle est très souvent demandée par les députés en début de législature. On dit que c'est celle qui est la plus proche du quotidien des citoyens. Son travail est de faire en sorte que les lois ne soient pas trop éloignées de la réalité économique et d'éviter que des textes totalement déconnectés ne voient le jour, au risque de paralyser les entreprises. Entièrement dédiée aux questions internationales, nous allons parler de la Commission des affaires étrangères. On ne le sait pas toujours, mais l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat a une très forte activité internationale. À l'Assemblée nationale, cette commission travaille sur les relations internationales de la France. Concrètement, on y prépare les projets de loi de ratification des traités, des conventions et accords internationaux, ce qui donne des intitulés à rallonge comme projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et l'autorité bancaire européenne relatif au siège de l'autorité bancaire européenne et à ses privilèges et immunités sur le territoire français. Ou encore, projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République d'Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes. Ces textes ont rarement une grande portée de politique politicienne. Il est assez rare que l'opinion publique s'enflamme sur une convention ou sur un traité. Exception notable pour le pacte de Marrakech, dont il était flagrant que personne ne l'avait lu. Dans cette commission, on gère également la présence consulaire, les ambassades, les Français de l'étranger, les questions administratives, etc. On reçoit les diplomates. On travaille sur l'Union européenne, même si cette dernière a une commission dédiée. On travaille aussi beaucoup sur les zones de conflit dans le monde. Enfin, la francophonie et l'attractivité de la France font partie des thèmes de la Commission des affaires étrangères. Impératif pour être à l'aise dans cette commission, aimer voyager en avion. C'est une commission très intéressante pour les députés qui aiment les sujets internationaux. L'activité législative de cette commission est plus réduite par rapport aux autres. Néanmoins, elle demande une très grande technicité et une solide connaissance des sujets. Un bagage géopolitique est indispensable pour ne pas être à la traîne. Bien que la Commission ait une véritable expertise en matière de migration, elle n'est que très rarement sollicitée lors de l'examen des projets de loi relatifs à l'asile et à l'immigration. La Commission des affaires étrangères a des petits frères, les groupes d'amitié dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Au début de la vidéo, je vous ai parlé des affaires culturelles. Passons à sa petite sœur, les affaires sociales. Initialement, les affaires sociales étaient incluses dans la Commission des affaires culturelles. En effet, c'était un pendant de l'éducation. En 2009, on coupe la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales en deux. D'un côté, la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. De l'autre, les affaires sociales. Dans les affaires sociales, on traite des questions relevant du domaine social. C'est donc l'hôpital, les médecins, les EHPAD, les services d'urgence, la santé des enfants, la question du handicap, la prise en charge des maladies comme l'endométriose. Mais ce n'est pas tout. Cette commission est également compétente pour tout ce qui va concerner le SMIC, les allocations et les droits sociaux. Elle a aussi un lien avec le monde du travail car elle s'intéresse à la santé au travail, aussi bien la santé physique que psychologique. Cela concerne aussi la formation professionnelle et les sujets liés à la famille. Par exemple, le congé de parentalité, les dispositifs d'accompagnement des parents, les crèches, etc. Comme si cela ne suffisait pas, cette commission a également une mission très importante. Travailler sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Tous les ans, elle planche sur les sous de la sécurité sociale. Combien de la sécurité sociale aura-t-elle en fonds? Où trouver ses fonds? Non, pas comme ça, calme-toi, j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Et évidemment, que va rembourser la sécurité sociale? Enfin, depuis 2004, elle a hérité d'une mission permanente d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale, ainsi que d'un office d'évaluation des politiques de santé. Cette mission d'évaluation et cet office sont deux applications très concrètes des deux autres missions du député. Contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Si les thématiques de travail de cette commission peuvent sembler effrayantes par leur volume, elles sont néanmoins très intéressantes par leur variété. Le travail de la Commission des affaires sociales est intimement lié à notre conception française de la protection sociale. Fusionnée au Sénat avec la Commission des affaires étrangères, la Commission de la Défense est une entité à part entière à l'Assemblée nationale. Son nom complet est Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Comme vous vous en doutez, cette commission planche exclusivement sur les sujets militaires. L'armée, bien évidemment, les questions stratégiques, et tout ce qui touche à l'industrie de la défense.
Elle travaille donc aussi sur les militaires, leurs familles, les gendarmes, sur la justice militaire, ainsi que les anciens combattants. Bonjour, Code la blouse. Cette commission n'a pas une grosse activité législative. Comme son calendrier est moins chargé que celui des autres commissions, on y met les députés qui ont des fonctions politiques importantes et chronophages. La présidente de l'Assemblée nationale, les présidents de groupes parlementaires, les questeurs, les chefs politiques, etc. Néanmoins, elle travaille chaque année sur les crédits pour les armées lors de l'examen du projet de loi de finances. Et sur la loi de programmation militaire pour 5 ans. Mais en dehors de quelques textes spécifiques aux armées et aux anciens combattants, l'essentiel de son travail est plus discret. En effet, les députés membres de cette commission font beaucoup de visites dans des endroits stratégiques. Pour des raisons de sécurité, il n'y a pas de publicité. Non, ne fais pas de selfie pour Instagram sur un site militaire stratégique. Enfin, elle auditionne le ministre des armées et des militaires. En France, le président de la République est le chef des armées et il est presque le seul décisionnaire sur ce type de sujet. Néanmoins, si le président de la République veut déclarer la guerre, il doit demander l'autorisation au Parlement. En ce qui concerne les opérations extérieures, le gouvernement doit informer le Parlement 3 jours après le début de l'opération extérieure. La commission de la Défense est peut-être celle qui joue le plus le rôle d'évaluation des politiques publiques en raison de son volume d'auditions et de déplacements. Même si cela est cantonné à la question militaire, son travail n'en est pas moins important que les autres commissions. Passons à la commission du développement durable. Son nom complet est Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Initialement, elle était incluse dans la commission des affaires économiques. Tout comme la commission des affaires sociales était incluse dans la commission des affaires culturelles. En 2009, on coupe en deux la commission des affaires économiques. Et voilà que surgit la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. On y traite des sujets relatifs à l'écologie, au bien-être animal et à la transition écologique. Dans une certaine mesure, on y travaille aussi sur l'énergie et sur les mobilités douces. Et là, vous voyez le lien avec l'aménagement du territoire. En effet, si on veut réduire la place de la voiture, on doit construire des infrastructures pour inciter les gens à moins utiliser leur véhicule. Hé, mon bus, attendez-moi ! Cela veut dire travailler sur les transports en commun et leur financement, mais aussi sur la place des vélos et des piétons. L'aménagement du territoire ne concerne pas que les transports, qu'ils soient en commun ou individuels. Cela concerne aussi les villes, le logement et sa consommation énergétique. Oh, du courrier ! Oh oui, elle est salée cette facture d'électricité. Mes sous ! Enfin, on s'intéresse à la question de l'étalement urbain. Cette commission doit arriver à concilier des intérêts qui sont parfois totalement opposés. Signe que le sujet du développement durable a fait son chemin dans les esprits, cette commission a été très demandée en 2017 par les députés. Et quand on voit la quantité de travail de la commission du développement durable, on se dit qu'on a bien fait de la séparer des affaires économiques. En ce début de législature, la commission permanente dont les Français ont le plus entendu parler est bien la commission des finances. Son nom complet est Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. C'est cette commission qui travaille sur le budget de l'État. Tout ce qui touche à la fiscalité, les impôts, les taxes, les niches fiscales, la concerne directement. En clair, où trouver les sous pour faire fonctionner l'État et vers où orienter les sous de l'État. Elle travaille principalement sur le projet de loi de finances. En théorie, on a un projet de loi de finances par an. En pratique, on a aussi des projets de loi de finances rectificatifs. Ce qui fait que les députés membres de cette commission ne sortent jamais des chiffres. Dès qu'il y a une dépense urgente à effectuer, la commission doit plancher dessus. Avec la commission des lois, c'est la commission qui travaille le plus. Cette commission a une particularité par rapport aux autres commissions permanentes. Elle doit obligatoirement être présidée par un député membre de l'opposition. Sous la 15e législature, c'est Éric Woerth qui en était à la tête. En 2017, il était membre du groupe parlementaire Les Républicains et encarté dans ce même parti. Problème, il a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron pour la présidentielle 2022, ce qui a créé un léger psychodrame. Finalement, Éric Woerth est resté président de la commission des finances jusqu'à la fin de la 15e législature. Sous la 16e législature, le drame s'est poursuivi. Certaines personnes ont inventé le règlement de l'Assemblée nationale. Pour elles, la présidence de la commission des finances devait revenir au premier groupe d'opposition. Ce qui est faux. La présidence revient à un député, membre d'un groupe d'opposition, mais la taille du groupe n'a aucune incidence. C'est donc le député Éric Coquerel, membre du groupe parlementaire La France Insoumise, qui a été élu à la tête de la commission. La commission des finances a également de très grands pouvoirs de contrôle. Elle peut demander tous les documents ou renseignements nécessaires pour exercer un contrôle sur le budget ou les comptes des ministères, des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte. Bien souvent, les ministères et les autres organes de l'État traînent des pieds pour transmettre les informations demandées. Au point que, sous la 15e législature, une députée disait qu'il avait été plus facile d'obtenir ces informations quand elle était salariée du secteur privé que lorsqu'elle est devenue députée. Les sujets budgétaires constituent la moitié de l'activité parlementaire. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus en profondeur. Dernière commission permanente dans l'ordre alphabétique, la commission des lois.
Son intitulé complet est Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Sur quoi travaille-t-elle ? La police, la justice, les libertés publiques, le droit électoral, le statut des élus, le droit civil, le droit pénal, le droit administratif, le fonctionnement administratif de l'État, ainsi que celui des collectivités territoriales. Ces thématiques de travail sont très très larges. C'est aussi elle qui a la charge des propositions ou des projets de loi constitutionnels. En clair, quand on veut modifier la Constitution, c'est par cette commission que commence le travail législatif. D'ailleurs, par défaut, beaucoup de propositions de loi atterrissent d'abord sur le bureau de la Commission des lois, qui sont souvent les plus fantaisistes. Par exemple, proposition de loi constitutionnelle visant à inscrire le beurre salé dans la Constitution. Non, ce n'est pas une vraie proposition de loi constitutionnelle, mais c'est de ce niveau parfois. Comme c'est finalement la commission la plus généraliste, c'est aussi celle qui travaille le plus. Les députés qui en sont membres sont plus facilement visibles ou audibles que les autres. Ce qui explique pourquoi elle est également très demandée en début de mandat. Il passe sa vie sur les plateaux télé, celui-là. La commission des lois est aussi celle qui est le plus en prise avec l'actualité politique, ce qui en fait un organe où les polémiques ont le plus de place. Mais disons-le ouvertement, c'est souvent dans cette commission qu'on entend les plus belles âneries de cette maison. Les commissions permanentes ne sont que la première étape du travail législatif avant d'arriver en séance. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à cliquer sur le pouce du haut. À bientôt !